Donc je suis mécanicien automobile, donc principalement opérateur service rapide. Donc les tâches quotidiennes sont donc principalement entretien donc du véhicule, donc tout ce qui est vidange, tout ce qui est amortisseur, frein et évidemment les pneus, ainsi que échappement, voilà, tout ce qui est rapide. Aussi un travail d'équipe puisque donc forcément il y a un planning. L'accueil nous propose sur le planning différents véhicules et en fonction des horaires on attaque le véhicule qui doit terminer le plus rapidement. Et aussi en fonction des capacités de chacun, voilà, chacun prend son véhicule et sait ce qu'il a à faire. Donc mon parcours, ça a été depuis donc, la troisième où j'ai fait une insertion professionnelle, où j'ai fait donc ma troisième et une formation et un stage à Auxerre. J'ai fait mon CAP exactement aussi dans cette boîte. Suite à mon CAP, j'ai été embauché. Donc j'ai quitté mon poste dans la région où j'étais pour rejoindre ma compagne, puisque madame donc, est dans la région et a été mutée. Donc la solution a été vraiment prendre l'intérim pour trouver un poste rapidement. Et Randstad voilà, a trouvé un poste pour moi en tant qu'intérim. Ça s'est vraiment très bien passé. Donc suite à cet intérim de 15 jours, j'ai pu être embauché tout de suite après. Plus tard, je penserai effectivement évoluer. Après, tout dépend voilà, dans la boîte dans laquelle je me trouve. Après, voilà, j'essaierai de retourner en concession, voir si... éventuellement je peux évoluer en concession. Alors dans mon métier, ce qui me plaît vraiment, c'est le fait de faire énormément de véhicules. On touche vraiment de véhicules courants comme de véhicules de prestige. Donc c'est vraiment varié. Les véhicules évoluent tout le temps, donc il faut se mettre à jour. Et effectivement, c'est tout le temps un moment d'évolution.